Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous inviter, nous avons le plaisir avec toute l'équipe de la bibliothèque à vous inviter, de vous inviter à une superbe soirée dans le cadre du centenaire de Marianne Cohn, de la naissance de cette résistante annemassienne, le 17 septembre pour la journée européenne du patrimoine, une soirée exceptionnelle avec trois auteurs, Jean-David Morvan, scénariste de bande dessinée, Marc Zellweger, romancier, et Bruno Doucet. Je laisse la place à mon collègue Rémi qui va vous présenter le premier auteur. Alors, bonjour, je me présente Rémi, je vous présente donc la bande dessinée Madeleine Résistante, où on accueille donc l'auteur le 17 septembre, Morvan, qui est un des grands auteurs de notre génération, qui a gagné plusieurs prix, dont le prix Angoulême 2022. Il vous présentera en collaboration avec justement Madeleine cette bande dessinée. Qui parle en fait de la vie de Madeleine, tout simplement sa biographie de résistance autour donc de Madeleine Résistante. Et je vais laisser ma place donc à Pauline qui va vous parler d'un magnifique auteur de poésie. Bonjour, alors je suis Pauline et je vais vous présenter un livre de Bruno Doucet qui est écrivain et poète et aussi éditeur de poésie. Donc ce livre s'appelle « Si tu parles, Marianne ». Donc, il va tracer la vie de Marianne Cohn, résistante annemassienne, qui a sauvé de nombreux enfants. Et c'est pas une poésie à proprement parler, mais ses écrits sont très poétiques. Et c'est ce qui est très intéressant. Je laisse ma place pour la présentation du troisième auteur. Pour conclure, nous vous présentons Marc Zellweger, qui était déjà venu à la bibliothèque, qui nous fait le plaisir de revenir avec son ouvrage et sa série Les Espionnes du Salève. Marc Zellweger, c'est un ancien espion et il a écrit un livre ultra documenté sur un groupe d'espionnes qui met en échec la Gestapo et les nazis entre Annemasse et Genève. Il sera bien sûr là le 17 et nous vous invitons à venir nombreux et nombreuses. Merci beaucoup.